Bien, salut à tous la Team Zen, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les gars, on va parler défi semaine 1, saison 3, donc cette première semaine de défi de la saison 3 les gars. Et aujourd'hui on a un défi où il va falloir les gars aller infliger des dégâts dans les 10 secondes qui suivent votre atterrissage au niveau de Hydro 16, donc depuis un, comment on appelle ça, un vortex. Donc on va aller tout de suite au niveau d'Hydro 16, je vais vous montrer où sont les vortex et comment faire ça. C'est parti les gars, on se retrouve sur place. Ici c'est un des vortex, là c'est un vortex, là c'est un autre vortex. Là vous vous déplacez ici sur l'ancien Hydro 16 qui était là et qui est toujours là et qui va être là quand l'eau va s'évaporer. Et lorsque vous allez vous approcher de cet endroit, vous allez devoir prendre ce vortex, bien sûr avec une arme dans les mains, ce serait mieux n'est-ce pas, puisque sinon vous ne pourrez pas effectuer vos dégâts. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir d'abord prendre une arme ici au niveau de ce petit ponton bizarre là. Hop, je prends l'arme qui est là les gars. Hop. Ensuite je m'approche du vortex. Bien sûr les gars, faut pas oublier un point important, faut qu'il y ait des ennemis. Moi je vous montre juste, comment dire, les différents emplacements. Donc là regardez, je prends le vortex qui est là. Vous voyez, là je survole la zone jusqu'à ce que normalement je trouve un ennemi. Et quand je trouve un ennemi, j'ai le temps d'atterrir, d'accord, et j'ai 10 secondes après avoir atterri pour faire les dégâts. Donc là regardez, là-bas il y a un adversaire qui est exactement là. Donc je vais prendre mon temps pour atterrir. Regardez, il est là. Je vais le suivre. Et une fois que je vais prendre mon temps pour atterrir et que je vais le suivre, je vais essayer de lui faire des dégâts. Sauf que là... Voilà. Voilà, regardez. Vous avez vu ou pas? J'ai eu le temps d'atterrir et de taper. Donc normalement, si je regarde mon truc, regardez, infliger de dégâts dans des 10 secondes qui ont suivi, en gros, l'atterrissage du vortex. Ça a fonctionné, c'est tout bidon. Et pourtant, j'avais une vieille arme, hein. Vous avez pu constater que c'était pas ouf. Donc voilà les gars, j'espère en tout cas que ça vous a aidé. N'oubliez pas bien sûr de liker la vidéo à max, de vous abonner si c'est pas encore fait les gars. Et de mettre mon code créateur Telmo-Lopez si c'est possible. Ça me ferait extrêmement plaisir les gars. En tout cas, n'oubliez pas de rester zen. Je vous dis à tout à l'heure demain pour une nouvelle vidéo. Salut à tous.